la tonicité au niveau de la peau pour venir nourrir profondément et apporter de la lumière au teint, le sérum visage qui s'appelait initialement l'huile défripante. C'est une cliente qui avait dit « moi j'ai l'impression que ça me défripe », alors c'est le sérum défripant, inspirateur. C'est un coup de cœur parce que je l'ai créé premièrement pour moi. J'avais la peau trop sèche. J'ai pris les meilleures huiles que je trouvais dans mes créations, puis je l'ai mis de l'avant, puis finalement, ça l'a donné le sérum visage. Un mélange de 10 huiles végétales encore, avec beaucoup de jojoba. C'est vraiment une genre de cire qui vient nourrir profondément la peau. Note de tête et de cœur avec beaucoup de lumière. Bois de santal et fleurs d'oranger, des vraies essences, pas des fragrances, des vraies huiles essentielles dans lesquelles on macérait beaucoup, 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 beaucoup de calendule, qui est une plante traditionnellement reconnue pour ses effets cicatrisants. Alors, l'odeur nous fait voyager, la texture est magnifique, elle ne donne pas un côté lustré ou huileux à la peau, et moi, je la perçois vraiment comme une nourriture pour la peau. Dans les hivers qui sont plus froids, vous pouvez même rajouter votre crème hydratante en plus. La perspective que j'ai de cette huile-là, c'est elle est légère, elle est nourrissante. Ce qu'on veut avec ça, c'est vraiment de venir activer la circulation lymphatique au niveau du visage, de se donner le temps de venir se masser. Alors, il n'y a pas de contre-indication. Elle peut être utilisée aussi dans la rosacée. Elle est idéale pour venir hydrater profondément la peau. C'est un coup de cœur chez Inspirata. Ça fait des années qu'elle est là, puis elle est encore une des grandes, grandes vedettes. Donc, je vous invite à la découvrir sur la boutique.